Et re, normalement, on est bien, on est pas mal. Là, on devrait être mieux. J'ai baissé la qualité, on devrait être pas mal. Vous me confirmez, hein, vous me dites si c'est mieux ou pas. Mais normalement, on a retrouvé de l'image et du son. Enfin, le son, vous l'aviez toujours normalement. Normalement, c'est lui. Re à tous. Normalement, c'est bon, tout est revenu. Ça devrait être mieux. J'ai baissé un peu la qualité. J'ai tout coupé derrière. Donc normalement, on devrait être mieux. Vous me dites, hein, vous me connaissez, si c'est mieux. Pendant ce temps, moi, je me déguise tranquillement. Est-ce que je peux le planquer dans un chiotte? Non, je peux pas le planquer là. Ah, mais là, c'est. Ah, si, dans la poubelle là. Si elle regarde, tu me vois pas? Non, c'est bon. Bon, cool. Mais j'avoue, c'est un scandale. T'as la play, t'as la fibre, t'as tout qui va bien. Ça, c'est l'effet Majo ou la bière, je sais pas. Peut-être que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. C'est possible aussi. Intrusion, non, je m'en fous. Ouais. On va fermer, ça devrait le faire. Est-ce que. Je vote la bière. ouais, je sais pas. J'ai pas de crochet, j'ai pas de pied de biche. Oui, j'ai rien du tout là. Je suis vraiment pas à poil, mais pas loin quoi. Faut vraiment que j'arrive à trouver du matos pour pouvoir avancer. Alors, voyons. Non, lui, on s'en fout. On va suivre l'indicateur normalement. Pas de trou. Ouais, c'est bon, je passe sans problème. Hey! Et là, tout de suite, changement d'ambiance, le champagne, tout. Là, c'est la teuf. Hein. Je peux pas prendre une petite coupette de champagne d'ailleurs? Un gros burger, oh, ouais, avec des frites. Allez, ça me donne faim, putain. Petite glace. Ah, mais la taille des steaks? Sérieux? Ils sont ouf! Pas sûr, ils veulent pas, ok. Bonjour, non, je fais que passer. J'essaie de. Et qui prend son burger et il se barre. Il prend un sec, il se barre en courant. Ouais, non, c'est bon. Zone découverte, le bar. Non. Ça tourne beaucoup autour du bar hein, ce soir, hein, dis donc. Notice, employee only. Ah, si je rentre, ils vont pas. Je vais encore avoir intrusion, non? Ouais, c'est bon. Je suis un peu parti du staff. Prendre carte d'accès au stand. Ouais, ça c'est bien. Même si je dois déjà l'avoir, mais. On sait jamais. Ah, une télé pour remplacer la mienne. Ce serait pas mal. Alors, pour ceux qui savent pas, effectivement, je n'ai plus de télé. Oh putain. Non, faut que je me casse. Faut que je me casse. Oui, non, c'est bon, tu me fous la paix. J'ai plus de télé, ma fille l'a cassée il y a quelques semaines. Non, mais sérieusement, déjà pour chasser, mais j'ai rien fait, je suis juste passé, monsieur l'agent. C'est pas moi. Bon, on va essayer de s'en sortir comme ça. Non mais l'autre il a déjà dégainé son flingue. Mais il est sérieux. Putain. Voilà. Don't move. Hein. Mais ils sont tous sus. Non mais ils sont sérieux là. Mais foutez-moi la paix. Entrez. Voilà. C'est bon. Je vais juste dans le congèle. Tout va bien. J'avais un peu chaud. Regardez. Voilà. En toute discrétion. Ouais non mais c'est mort. C'est abusé. Sans déconner. D'où je suis juste passé. Ah mais là c'est affrontement. Affrontement, je suis dans un congèle, qu'est-ce que tu veux m'affronter mais. Ah ouais d'accord. Putain, la sécurité rigole pas. Ok, bon allez, flinguez-moi. Allez, c'est bon, tout va bien. Putain, fais chier. Ça va être long. Ça va être très long. La dernière fois, j'ai mis 2h30 juste pour passer le tuto quasiment. Et c'était le tuto. Respire, ouais. Oh, mais ça me rend fou. Ah, mais non, quand je fais ça, je me retape tout. Non, je suis pas encore à bout.
Mais moi, j'ai pas affronté un dragon pendant 3 heures. Non, 4 heures, 3 heures, je sais plus. Ça va. J'en connais qui ont une grosse patience. Moi, je n'aurais jamais été capable de ça. Bon, et ben on va y retourner. 3 heures. Mais t'es un grand malade. Un grand malade. Jamais de la vie, moi, j'aurais tenu 3 heures. Ouais, c'est de la saloperie, hein. Je comprends pourquoi on les a tous tués. Sans déconner. Oui, oui, vas-y, fouille-moi, allez. Oui, oui, c'est la procédure. Par contre, c'est quand même assez bâtard, parce que t'as tous les mecs qui sont en train d'attendre, et t'as un bâtard qui est là avec, avec son petit masque. Bonjour, moi je vous grille. Allez tous vous faire foutre. Bon, est-ce qu'on retente le coup? Ouais, c'était pas mal, on va retenter quand même le coup de la tenue. Hein. De reprendre le coup, la tenue de pilote. Fast pass, ouais, les privilèges. Il a encore payé son ticket plus cher. Mon dieu, c'est la panique totale! Ils font la hola. Oh. Ouais, je pense que c'est un bon début, et d'autant plus que bon, il y a l'indicateur. Pardon, pardon. Camouflé dans la foule. Ah, par contre, il y a des jumeaux, hein. Ils sont même triplés. Si on regarde entre lui, tout au fond là, au-dessus du drapeau brésilien, ils sont pas fait chier, hein. Ils sont même quadruplés, bah, dis donc. Ils sont pas fait chier quand même. Hein. Ouais, Michel, tu m'en mettras une fournée, s'il te plaît. Ouais. Ouais, bon, après. Je comprends, hein. Mais bon, c'est un peu abusé, quoi. On n'est pas dans Skyrim non plus, quoi. Un jour, je me suis pris une flèche dans le genou et... je raccroche. Je crois qu'il est vénère. Putain, tu doubles mon salaire. Ouais, je vais faire ça avec... demain, j'arrive, je vais voir mon boss. Je vois, écoute, j'en ai rien à foutre. Tu doubles mon salaire. Et je pense qu'il me dirait, bah écoute, tu vois la porte. Tu passes, tu rendras ton PC et puis... Ah, tiens, bonsoir. Et là, l'ITAM, il va dire, ouais, mais t'as déjà le casque, ça suffit, quoi. Oh, j'ai une grosse envie, excusez-moi. Tu passes à la comptable. Mon premier job, j'avais la comptable, elle s'appelait Gisèle, elle avait un cheveu sur la langue. Et c'était très drôle quand elle te disait ton nom. C'est Gisèle de la compta. Tu passeras à récupérer ton fèque avant de ton partir. Hein. Elle est adorable, cette dame, en plus. Enfin, elle doit être encore vivante. Elle est à la retraite, ça, c'est sûr. Enfin, j'espère. Mais elle est adorable. Une bien brave dame. Ouais, c'est pour streamer, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais putain, non, mais c'est pas possible. Sans déconner, tout à l'heure, il m'a pas vu. Bon, vas-y. Je vais faire semblant de me rendre et je vais le défoncer. Ah, mais c'est un QTE en fait, ok, d'accord. Je peux pas le défoncer là? Ah, ouais, ok. Combat, affrontement. Assomme-le! Mais c'est vraiment une tanche, c'est pas possible. Briser le cou, non, ouais. Non! Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. Peut-être pas lui briser le cou tout de suite quand même, ça craint, non? Ouais. Témoin inconscient, hop. Dans la poubelle à cadavres. Oh, la nuée de mouches, c'est dégueulasse. C'est quoi ça? Ah, oh, des clés. Mais parfait! Les clés de l'événement. Un flingue. Oh, c'est formidable. Formidable. C'était le meilleur jeu. En fait, c'était tout calculé. Tout était calculé. Solide, le gars, ouais. Ouais, c'est... comment c'est? Il s'appelle le mec qui se transforme là, en une seconde. L'italien chaud avec juste une petite houppette sur la tête. Titeuf un peu. Brachetti. Non, Arturo Brachetti, je crois. Ouais, c'est ça. Les cheveux en moins, quoi. Et puis le sourire en moins aussi, parce que bon, quand même, agent 47, c'est pas le mec que t'as bien envie d'inviter à l'apéro. Hein. Pas très souriant, quand même. Le mec, toujours impassible, le regard de glace. Je suis passé où, là? Bonjour, monsieur. Un subtil. Ah,
Je prends juste les pieds de biche pour la voiture, hein, vous en faites pas. Hop là. Non, alors là, c'est employé only, donc on va pas y aller, parce que tout à l'heure, ça a pas été un succès fulgurant. Mais je crois que j'ai rien à foutre là, en fait. Trouver le garage. Bah si, oui, c'est là. Et comment j'y vais? Lui, il va me reconnaître. Lui, il va être suspicieux. Dissimuler un objet. Ah, bien, on peut dissimuler un objet. Je note. Mais là, si je passe là, lui, il va... Non, saboter la caisse. Ouais, c'est de ça l'idée, hein, sûrement, mais... Oh, la mascotte, génial. Ouais, ce serait trop bien que je puisse me déguiser en mascotte, sans déconner. Oh, ça serait... Non, sérieux. Sans déconner. Putain, j'avais pas vu qu'il était... Non, mais... Pas devant tout le monde, non. Hop là. Hop là. Putain, mais foutez-moi. Ouais, non, mais les mecs, ils rigolent zéro, quoi. C'est un peu abusé, quoi. Tu pèses juste à côté. C'est limite du racisme anti-chauve, ça. Hop. Recherche. Bon, c'est bon, je devrais être tranquille. Bon. Non, mais là, lui, il va être suspicieux. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure idée, en fait, hein, le mécano. On va voir, mais... C'est pas le mécano, le pilote. C'est pas faux. Oh, putain. Bon. Security room. Y a personne d'autre? Ah, si, ils sont deux. Storage room. Ah, et puis j'ai pas de pièces là, je peux pas faire. Ah, y a un truc à faire. Hein. Je peux pas arriver comme un gros bourrin. Alors lui il va arriver. Non, il rentre pas. Alors, à part si je le défonce lui, je récupère sa tenue. Ouais, oh, là 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 là. Là, je peux sortir. C'est un peu abusé quand même cette vue. Hein. Je veux bien que bon, il est super fort là, j'en 47 ans, hein, mais. Bonjour. What are you doing? Faut que je trouve un endroit où le planquer lui. Comment ça? Oh non, mais il y a un Gus. Oh, non. Viens là, petit. Non, ne va pas balancer. Viens là. Oh putain. Putain, alors lui en 40, je peux te dire que. C'est Michel. Salut, c'est Michel. Je fais juste. Ce bruit, il est horrible. Je crois que Michel, il a fait un malaise. Ouais, alors moi, tout le monde s'appelle Michel avec moi. It's me. We're cool here. Let me know if you find anything. Il me voit vraiment pas. Oh, il est con, son pote. Oh, c'est génial. Il est con. Ah non, c'est pas qu'il m'a vu. Alors là, je sortirais bien mon flingue. Mais bon, on a dit qu'on respectait les règles, hein. Oh là, j'avais oublié que la visée elle était si pourrie. La visée elle est si horrible. Oh, si immonde. On est d'accord, je respecte la mécanique du jeu ou pas du tout? Ah bah non, ça c'est sûr que c'est pas un jeu de tir. Hein. Ah, Michel se réveille en slip. Je suis pas là. Vous ne me voyez pas. Mais où est-il passé, bon sang? Il est con là. Peut-être pas penser à aller chez l'ophtalmo, petit monsieur. Area is clear. Proceeding to the next location. Oh, formidable.
Bon, je respecte les mécaniques du jeu, hein, pour l'instant, on est d'accord. Hein. J'ai pas fait le gros bois. Ça me fait tellement suer. La la la. Oh, il y a un fusil à pompe. Mais les mecs, en fait, ils sont myopes. La la la. Bon, par contre, ça grouille un peu de mecs, quand même. Là. Oh, il est en train de tirer le cadavre, c'est horrible. Ah oui, normalement, ils le mettent dans un sac mortuaire, d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Ah non, mais là, c'est mort. Là, c'est complètement mort. Je peux plus sortir, en fait. Je me suis fait U, je crois. Bon allez, quitte à faire le bourrin, on va faire le bourrin et puis on va recommencer. Là ! Ça va, mais non. Lalala. Lalala. Ah non, il y a quelqu'un qui arrive. Non, ils sont innocents. Bon allez, non, je vais me faire défoncer et on recommence. C'est pas le credo. Bon, on recommencera au prochain. Qui fait trop long. Fallait attendre. Non mais non, je pouvais pas attendre. Ils étaient trois. C'était pas possible. Là, c'était pas possible. Bon, il doit avoir une sauvegarde automatique normalement. Non. Ah si là. Si, là. 21h23. Ouais, est-ce que c'est la dernière? Je suis pas sûr, ça. Hein. Je vais essayer d'être discret. Ah zut, je suis con. Est-ce que c'est pas aussi un peu le principe des Hitman, sans déconner? En vrai. C'est. Voilà, tu. Non, mais voilà. On essaye de respecter la mécanique. Bien dit, on essaye. Ah oui, donc là on a, j'arrive juste avant que l'agent me grille, ok. Après si je le laisse là en vrai... Eh, tu m'as bien vu Majo? Sans déconner, t'as cru que j'étais un mec comme ça moi? Pas à tête. Je suis impatient sur un barbecue où je mange la saucisse crue, alors... Le mec il se brûle, il met la main dans les bras. Ah, ma main. Alors pourquoi tout à l'heure par contre j'ai réussi à le mettre là et là je n'y arrive pas. C'est vrai ça. Non tu as raison frère. Tu as raison. Bon bah en fait je vais le laisser là. Hein. On dirait qu'il a eu un accident, c'était un pauvre type. Mec, il se sentait pas bien et voilà. Quoi. Ok, donc là il y en a une qui est suspicieuse ici et j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc on va passer par là. Je. Oh non, mais il y a déjà un agent. Oh, attends. Je vais mettre là. Hop, on prend le petit flux de champagne, tout va bien. Donc là, il y en a un ici et un autre qui arrive là-bas. Bon, ça, on lui repart. Il disparaît. Ok. Et puis il reste bien le bougre. Hein. Ouais, privé de joke. Je sais pas du tout. Mais oui, mais faut que je sois photographe. Ce serait bizarre quand même que le mécanicien. Ouais, je suis aussi photographe à mes heures perdues. C'est quoi ça? Ah mais là je passe par le garage des concurrents là, si je passe par là non? Ah, c'est bizarre quand même. Ah faut vraiment que je retourne de l'autre côté en fait je pense. Je pense que j'étais sur le bon chemin tout à l'heure. On est un peu trop bourrin mais je pense que j'étais pas mal. On va tenter. Ok, fermé.
Ah, parfait. Lui, il est pas suspicieux. Lui, c'est bon, il a pris la voiture. Ok, ça a l'air pas mal. Winner's podium. Ok, non. Ouais. Ah, si je passe par là. Ok, est-ce qu'il y a des... Alors, lui, il va être suspicieux, donc faut que je me méfie. Et je crois que je peux passer directement par les toilettes quand j'ai pourchassé le bougre de tout à l'heure. Hein, voilà. J'y vais. Ils sont pas bien. Là, ok. Parce que je suis le genre de mec. Je prends des risques inconsidérés. On est comme ça, hop, lui, moi je suis tranquille, il me libère le champ là. Ça me laisse un peu plus de temps. Et du coup, moi faut que j'aille en bas. Donc si je redescends là, logiquement, je suis pas mal. Oh, il y a une caméra. Ouais, mais la caméra c'est bon, ça devrait passer safe. Ça c'est écrit quoi? Ouais, mais accès restreint. Ça c'est pour les photographes. Oh, et je peux peut-être passer derrière. Il est pas suspicieux, non? C'est bon. Hop. C'est bon. Parfait. Non, je n'arrive que là. Ok, ça c'est l'alarme incendie. C'est pas la meilleure idée. Ah, mais c'est vraiment de l'autre côté quoi. Je cherche la source du leurre. Ouais. Bon, une autre carte d'accès. On en a jamais trop, on en a jamais trop. C'est ce que je m'évertue à dire à ma femme tous les jours. Emmène les cuisiniers. Ah, ouais, mais non, parce que du coup, oui, ça c'est les jeunes. Kuon, c'est les jeunes. Donc, de tout à l'heure, je pouvais passer facilement par leur stand. Mais bon, après, ça va être bizarre d'arriver chez l'écurie concurrente. Pas avec la bonne couleur, quoi. Parce que bon, je veux bien, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais je suis pas sûr que ça passe, quoi. Je peux encore me faire avoir. Faut que je pense à sauvegarder aussi. N'oubliez pas, n'hésitez pas à me le rappeler. En quoi? Pas le rider, oui. Ah non, pareil, ça c'est encore un autre concurrent. Bon, je vais essayer de remonter. Déjà, je vais sauvegarder. On va la jouer safe. Parce que je connais quelqu'un, il a des parfois ça lui arrive d'avoir des problèmes de save. Ouais, déjà il y a des tenues donc ça peut me servir effectivement. Bon, à voir. Non, mais c'est vrai que je connais des gens ici, des fois ils ont des problèmes de sauvegarde et c'est un peu chiant. Ah, mais attends, c'est mon écurie. Je peux vraiment pas passer. Non, ok, bon là c'est mort. Mais au-dessus il y avait le gus suspicieux là, non? Non, il est plus là. Ah, non, lui il est vraiment parti sur l'eau. Ok. Ah si, il est là, merde. Non, je vais éviter de... Oui. Si je ressors... en bas, ça donnait sur l'allée... Eh ben on va cluber. Ça donnait sur l'allée des... tu sais, quand ils finissent la course, là où ils se prennent en photo et tout. C'est là où de l'autre côté de la barrière, j'avais un appareil photo si je voulais, mais... j'ai pas l'équipement adéquat. Bon, ah, il y a des lustres qu'on peut faire tomber. Ok, donc là il y a une mécanique potentielle pour tuer quelqu'un. Ok, ouais, mais là c'est vraiment chaud. Ah, j'ai un collègue. Ok, très bien. Bon, je vais essayer d'aller dans cette direction. Là il va me dire de proposer d'empoisonner à tous les coups. Ouais, bon. Hey! Salut! Ok. Déverrouille, mais là devant tout le monde, c'est pas discret. Ah, tout à l'heure j'avais récupéré un pied de biche, je crois que je l'ai plus. Hein. Non, bah non, j'ai rien récupéré du tout là. Oh, c'est la loose ça. La la la! Bonjour. Ouais, moi aussi j'adore le poisson. Ouais, ouais. Tout à fait d'accord avec vous. Ah, la situation, le cours du pétrole, je vous en parle pas.
J'ai perdu toutes mes actions. Ça, on fout. Bon allez, José là-bas. Ouais, lui il s'appelle pas Michel, il s'appelle José du coup. Je le tends. Et si je passe par là? Je peux passer par là? Ouvrir. Ok. Ah mais là je suis juste au-dessus. Et il y a quelqu'un. Si je saute, je peux pas sauter par... comme un sauvage? Bon, je peux pas franchir ça. Ah, c'est dommage. Ouais, tu vois le tapis rouge? C'est là où tout à l'heure, quand si je ressortais, en fait, je retombais juste là, là où il y a les confettis en fait. Et en fait, je reviens au point de départ, enfin, je ressors quoi. Là, faut vraiment que j'arrive à rentrer ici. Mais non, l'agent 47, il a des genoux en béton. T'es fou toi. Ah, un couteau. Du poison. De la mort au rat. Fou ce qu'il y a comme rat ici. Dans les cuisines en plus, c'est propre. Ah, ça fait envie. Hein. Je comprends pas, j'ai été malade. Déverrouille. Ah, mais là, j'ai rien du tout. Oh, mais zut, quoi. Bon. On va repasser par les toilettes. Ok. Je pense que je vais finir à prendre une tenue de... Go away. Bonjour. Lui, il est photographe. Ouais, mais non. Presse. Ouais, mais pareil, presse, le mec... un peu suspect, quoi. Tu vas dans... Dans le garage, c'est un peu louche, quoi. Un peu louche. Un peu comme Gilles, quoi. Ok, José y passe tranquille. Hop. Ouais, je sais. Je savais que tu allais apprécier ça. Eh mais il est plus là le suspicieux. Ah si, il est là-bas. Ah, il fume sa clope à tous les coups. Ah mais non, mais pareil, je peux pas passer toujours. Ah mais attends, je peux franchir là en fait. C'est pas très discret, mais 6 barres. Dès qu'il a le dos tourné, crac, je passe. Par contre, j'espère qu'il va pas mettre une plombe, quoi, passer. Faire, il va où? Ça sent le script, hein, ça. Hein. Ça sent le script. T'es arrivé, tu t'approches du truc. Et le mec, il arrive. Parce que là, si je peux... Ce qui serait bien, c'est quoi? Il part quand il est de... Il repart. Hop, je rentre par là, je saute et je reprends. Ouais, mais je vais attendre. Je vais être patient. Patience est maître de vertu. Je vais me préparer. On aura le temps de fumer une clope, hein. Non ! C'est bon, c'est passé. Nickel. Mec, il voit un mec qui saute par-dessus, qui se bat en courant, mais... Ça, le choc, absolument pas. Absolument tranquille. Alors, oui, là, il y a du monde, par contre. Ok. Donc, lui, ok. Et lui, ok. Donc, il faut que je fasse gaffe, quand même. Tournevis, ça peut toujours être utile. Alors, elle m'a montré la clé à choc, c'est ça, hein. Clé à choc, si je dis pas de bêtises, c'est fait pour serrer les pneus. Mais oui, oh, sacré Marc. J'ai voulu faire une blague avec Marc Lavoine, mais ça marchait pas spécialement. Donc je préfère me taire. Là, il y a du monde, mais ils sont pas suspicieux, c'est cool. Clé molette. On va prendre un peu de matos. C'est quoi ça? Propulseur d'octane! Je sais pas quoi ça peut se... Ah bon, ok. Consulter renseignement, fais voir. Propulseur d'octane. Ce petit propulseur d'octane breveté par Kronstad suffit à améliorer drastiquement les performances de n'importe quel véhicule doté d'un moteur ok ou plus récent. En l'état, ses performances sont tellement exceptionnelles que son utilisation est interdite. Ok.
Donc il y a peut-être quelque chose. Ah, tu vois, peut-être le moteur qui est en face, il y a peut-être un truc à faire. Non. J'adore parce que tu te déplaces comme ça. Salut les gars, tout va bien. Ah, oh, c'est Masculios qui se camoufle en mécanicien. Ah, ok. Oh non, ça c'est le joint de culasse, ma petite dame. Ça, oh, ça, là, ma petite dame, le joint de culasse, il est mort. Et là, il est foutu. Faut tout changer. Ça, biais de direction, tout ça, tout ça. Bordel de merde. Ah, il y a quelqu'un qui est pas content. Ah, oula. Bonjour madame. Ah, je crois qu'elle est pas contente. Hein. Je crois qu'elle est colère tout rouge. Elle est colère tout rouge. Parce qu'elle est rouge. Ouais, je fais de la peine, hein, je sais. Ok. Bon, ma cible est là. Déjà, ça c'est un bon début. Là, j'ai rien à faire. Je peux pas aller à la voiture de toute façon. Ok, un marteau. Oui, parce qu'un marteau, c'est bien. C'est subtil pour faire de la mécanique. Activer. Charge de batterie voiture. Activer, non. Hop. Verser, non. Hop. Voir ce qu'elle fait pour t'adapter. Ouais, mais c'est qu'en fait, je voulais voir aussi. Tout à l'heure, il me parlait de la clé à choc et je voulais voir. S'il n'y avait pas un truc, tu vois, avec la... Elle est où, cette clé à choc? Oh, si je leur fais tomber la voiture dessus, là, ce serait formidable. Je la vois même pas, la clé à choc, hein, en vrai. Tu vas être choqué. Oh là là. Mais que de galéjade, dis donc. Que de galéjade. C'est la soirée calembour. Mais elle est partie où? Ah, elle est là-bas. Ah ouais, elle est vraiment pas contente. Là, hop là, où c'est la caméra? Ah oui, c'est la caméra de tout à l'heure. Bon, ça c'est pas très grave. Bon, et je vais ressortir. 47, the race is over. Sierra will be coming off the track anytime. Quoi? Repérer de quoi? Repérer de quoi? Je fais juste que je suis juste passé. Détendez-vous. Oh. Oh, le coup de la pilule. Ah, le coup de la tenue de médecin, c'est pas mal. On retient? Non, mais ils sont sérieusement. Ouais, la caméra, mais tu fais juste passer, quoi. Et c'est lui, cette figure. Cache-toi dans le casier. C'est vrai que j'aurais pu le cacher dans le casier directement. C'est vrai que... Faut que je le suive, c'est ça? Asseyez-vous. Je peux pas m'asseoir, frère. Et oui, bienvenue, effectivement, bienvenue. Excuse-moi, c'est que j'étais un peu focus. Tiens, ok. Non, ah oui, ok. Non, ne t'approche pas. Repérer, rechercher. Ok, c'est bon, je suis sorti, regarde. Bonjour. Non. Ah oui, c'est là où j'aurais dû récupérer la tenue. Ok. Alors, si je peux faire le tour. Parce que maintenant, ils veulent plus que je repasse par là, en fait. Hein. Clairement, ils sont pas contents. Clairement, ils seront pas contents si je repasse par là. Ah, c'est con. Mais ouais, mais je pouvais pas accéder à la voiture. Parce que j'y ai bien pensé, effectivement, le propulseur atomique, là. Mais détendez-vous, les gars. Je suis juste un mécanicien en balade, quoi. Je découvre un truc proche. Ouais, en fait, elle était de l'autre côté de la porte, et impossible, je pouvais pas l'ouvrir. Parce que c'est ce que je me suis dit aussi, ce serait le bon plan, quoi. Oh non, mais ils sont sérieux, je vais pas tout me retaper, là. Parce que là, si je passe en tant que médecin, ça serait cool, hein, j'avoue. Allez, Michel. Oh, on va le retenter. C'est bon, Balek.
C'est bon, et lui, franchement, lui, il est vraiment pas malin. Moi, un mécanicien comme ça, qui contrôle ma voiture comme ça, laisse tomber, je lui fais pas confiance. Hein. Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Si, 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 ça va le faire. Ah oui, ah oui, mais c'est là où il y avait la caméra. Alors attends, la caméra, elle est là. Medical staff only, yes. Regarde. On va passer en soum-soum là, regarde. Et ça, c'est beau. Ça, c'est du beau geste. Oh, une batte de baseball. Je peux la récupérer. Yes. Ah, par contre, je peux pas la ranger. Alors, tu peux ranger. Tu peux ranger tout un tas de trucs dans je sais pas quoi. Mais par contre, la batte de baseball, tu ne peux pas. Allez, on va lâcher l'objet. On va pas s'encombrer. La porte, elle est fermée. Et là, je vais me déguiser en médecin. Yes. Et là, normalement, je passe crème. Cool. Hop, fais voir, je passe tranquille. Hein. Ouais, ça, c'est cool. Cool, cool, cool. Hop là, je fais que passer. Et oui, il faut que je pense à regarder s'il y a des gens suspicieux. Et d'ailleurs, elle est où ma cible? Parce que moi, je me balade, mais... Elle est repartie là-bas. Ouais, mais le coup du médecin, je suis sûr. Clairement, en pharmacie. Ouais, ça, c'est bien ça. Je prends tout ce que je peux. Hein. Planning de médecin, fais voir. Oublier d'espionnage. Voyons voir. Un planning de médecin indiquant que la procédure de revitalisation de Cyrnox est programmée après le rendez-vous de Thierry Durand. Pour une raison inconnue, elle semblerait qu'il y ait du retard. Ok, bon, on prend des infos, hein. On verra ce que ça donne plus tard. Donc là, je peux passer là sans problème, c'est ça, hein? Ouais, ok. Personne de suspicieux. Merci pour le GG. Ok. Ouais, mais ça m'avance à rien, en fait. Je suis content, je suis docteur, mais ça m'avance absolument rien, là. Des fois, je me demande pourquoi j'aime me faire du mal, quoi. Là, tu te dis, ouais, je fais un hitman en mode gros bourrin. C'est quand même vachement plus simple. Non? On n'est pas d'accord? Non? Non. Explorer Miami. Ouais, je fais un peu de tourisme, quoi. Bon. Ça a son charme. Ouais, bah ouais. Parce que bon, faire un hitman pour faire un hitman. On l'a tous fait, on sait ce que ça donne, quoi. Faut se mettre un peu dans le jeu. Tu vois, c'est comme essayer de placer des phrases ou des mots. Et j'ai pas oublié, hein. Un peu dur quand même, mais j'ai pas oublié. Je ne t'oublie pas. Y a pas une chanson comme ça? Non, c'était. Ou tu m'oublieras. Effectivement, on l'a bien oublié, la pauvre. Ah oui, c'est la sécu. La Rousseau, yes. Toi, t'as les refs. On est là, on est en place, on est bien. Ouais. Ah, ça aurait... Oh, par contre, la sécu, ça peut être pas mal, ça, à récupérer. Ah, des gens de qualité sur le stream, hein. On a des viewers de qualité ce soir. J'ai dit, ouais, il y a un médecin en face de moi, c'est génial. Mais non, en fait, c'était moi. mais elle s'est barrée où? Par contre, il va falloir qu'elle arrête de bouger toutes les 2 secondes, elle. Hein. Elle est où? Mais elle est redescendue. Ouais, j'avoue que la bière m'aide pas, je pense. Parce que pour ceux qui étaient pas là au début, en fait, j'ai fait l'anniversaire d'une copine juste avant et. Disons que j'ai bu quelques pintes. Mais bon, quand même présent. Hein. Et du coup, pour la discrétion, effectivement, je suis pas sûr que ça soit la même. Pour faire un jeu d'infiltration, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée que j'ai eue. J'ai beaucoup d'idées de merde. Hein. Faire un hitman en respectant les règles. J'ai beaucoup d'idées de merde. Donc elle est là-bas. Bon, on va essayer d'y aller. Par contre, je vois pas du tout comment je peux m'en sortir. Hein. Vraiment.
Intrusion ? De quoi intrusion ? Mais de... En quoi intrusion, sans déconner, là ? En quoi ? Alors. On va faire déborder l'eau. Il va arriver. Crac ! Coup de savate dans les dents. Enfin, petit coup du clac. Petit coup du lapin. Je sais pas où je vais le cacher, mais... On verra, ça c'est... accessoire. Bonjour monsieur l'agent, hop, maîtrisé. Ezou, tenue de sécu, parce que j'ai l'impression que tenue de sécu... On va le déplacer déjà, on va éviter de se faire repérer. Voilà. Un soum-soum, clac, hop. Ferme la porte. Oh, un petit peu d'intimité quand même, s'il vous plaît. Je lui brise le cou ou pas? C'est pas bien de tuer les civils, je sais, hein, mais... J'ai pas envie qu'il se réveille en fait. À votre avis, je lui brise le cou, non? Allez, c'est pour le rafraîchir. Ouais, faut le rafraîchir, le pauvre, il a fait un malaise. Hop. Par contre, il avait pas de flingue, lui. Ah, si, il est là. Bon, ça, j'ai pas pour objectif de m'en servir, mais... sait-on jamais. Oh, mais elle est descendue maintenant! Non, mais elle a la bougeotte, elle a des verres, c'est pas possible sans déconner! Mais détends-toi! Sierra! Arrête de bouger comme ça! Arrête de bouger comme ça! J'ai mon chat qui en manque de câlin, je crois. Et il est en train de me bouffer à moitié les pieds. Oui, Mimi! Ouais, t'as raison, non, mais c'est vrai que je fais pas assez attention où elle va, mais du coup, c'est chaud. Parce que si elle bouge à chaque fois... Tu s'écoutes pas. Je ne t'écoute pas. Elle est à l'étage, ok. Ok, ok. Non, repérer. D'où repérer? Ah oui, corps trouvé. Ok. Yoni, mais moi je fais partie du staff, hein, on est d'accord, je peux rentrer. Et de quoi ? Un sac de sucre ? Serveur. Si pour ma glycémie, je suis diabétique, j'ai besoin de sucre. Ouais, pareil, si je m'en... Ah, je reviens en fait où j'étais tout à l'heure. Et elle redescend. Oh la bougre. Mais madame, arrêtez de bouger! Ah oui, il y avait le pied de biche. Sinon, vous, ça va? Ça se passe bien pour vous? Tout se passe bien, ouais? Eh ben écoutez, c'est le principal. Cherche la source du leurre. Ah oui, monsieur, bon. C'est loin, ça. C'est fou. Hop là, il est là, le suspicieux. Ma foi. Sécurité, bonjour. Hémotep. Eh ben écoutez, si ça va... Si vous, ça va... Moi, ça va. Hey, bro, hey! I'm fine, and you? Sympa, c'est... Soupçonneux, mais non, je suis pas soupçonneux, je surveille l'escalier dans une position tout à fait normale. Oui, madame. Quoi? Arrête de me suivre. Arrête de me suivre, tu veux pas que je te parle? Tu... Mais non, j'ai fait... Bon, allez-y, faites-vous plaisir, défoncez-moi. Je cherche même pas à contrer. C'est ridicule. Ridicule. Ouais, j'ai un peu misclé. Bon, c'est pas grave. Bon.
Ah, c'était il y a si longtemps? Ah non, il y a celle-ci. Bon, on va reprendre là. Heureusement qu'il y a des autosaves. Hein. Ça sauve. Hein. Eh bien, merci Snellfigure. Merci d'être passé. À la prochaine. N'hésite pas à follow. Et c'était très sympa d'être passé en tout cas. Très bonne soirée à toi. Si je pouvais récupérer une de leurs tenues, parce que eux en fait, c'est ces agents, c'est ces gardiens en fait. Donc si je peux réussir à récupérer une de leurs tenues, ça serait royal. Là, si je fais ça. Il va se retourner, il va se retourner, il va se retourner. Oh le génie. Le génie. Oh le génie du mec quoi. Parfait. Est-ce qu'il va mettre les lunettes de soleil? Est-ce qu'il va les mettre? Bonne question ça. Hop là. Ah oui, il a trouvé mon flingue, zut. Oh il est, par contre il est pas suspicieux avec moi, ça c'est cool. Et il a mis les lunettes de soleil. Bon c'est pas grave, il a pris. Ouais c'est pas grave. Empoisonner la bouteille d'eau, ah, je sais pas. Ah, si je pouvais me déguiser en mascotte, comment ça serait le feu? Ça c'est quoi ça? Collecting pictures of celebrity entrepreneurs now 47. Ouais. What are you thinking? Je sais pas, mais je trouve ça classe, t'imagines? Tu fais ton meurtre en mascotte, c'est la classe! T'es pas d'accord? Je vais empoisonner l'eau, je me dis que. Bah, je sais pas. Ouais, j'élabore des plans savants, moi, tu vois. Tu brises mes rêves, tu brises mes rêves. Ça me peine. Ouais, donc moi je suis là, ok. Très bien. Et elle est là, elle arrive. Donc normalement, là, elle doit monter. Elle doit monter. Elle va venir ici. Tout à l'heure, le pattern, c'était ça. Elle était dans les stands, elle pétait son plomb, clac-clac, elle faisait sa ronde, et après, elle montait ici. Par contre, faut pas que sa pote, elle me voit, parce qu'elle, elle est pas cool. Pof, pof, pof. Salut, on est bien là. Toi, moi, ton slip hacker. On passe un bon moment. Alors, ce serait bien qu'elle prenne un verre d'eau. Franchement, il fait chaud. En tant que coureuse, moi je serais elle, je m'hydraterais quoi. Ouais, bah pas la. Pas Sierra, mais l'autre, oui, oui, clairement. Par contre, pourquoi elle vient là? Pourquoi elle vient là elle? Bonjour madame. Bonjour, je suis dans le placard. Tu me vois pas. Mais je suis là, féfé. Ça fait un peu gros pervers. Non, pas de stress. J'ai... Ok. Elle veut pas prendre un petit verre d'eau là, s'il te plaît? Ok. Ok. Ouais, le stress, je t'avoue que j'ai un peu flippé quand je l'ai vu arriver quand même. Bon, bah le coup du verre d'eau, je pense que c'était mort. On s'est mort. Je suis un peu déçu. Ah non, allez, elle va boire. Bah ouais, mais c'était pas prévu, madame. Mais non, parce qu'il y a son gardien derrière. Il remontait en fait en même temps. J'aurais pas eu le temps. Ça aurait été vraiment. Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça aurait pu se tenter. Marc, je peux sortir là. Ils sont pas suspicieux, Marc.
Genre, sécurité avant tout, on va prendre les choses en main. On va prendre les choses en main. Et là, je vais la suivre. Parce qu'elle est plus là. Donc maintenant, cible facile. Soupçonné, pardon. Oui ? Oui, quoi ? Je veux bien te parler. That's it, buddy ! Non, pas maintenant. Sérieusement ? Ouais, je suis un peu dégoûté là. Mais attends, lui, je vais le défoncer vite fait. Rien. Hop. Ça va, c'est soft. Hein, En vrai, j'ai peut-être un... Non, non, j'ai pas envie de tirer dans ta voiture. Quoi ? Oh non, mais sans déconner. Franchement, j'ai fait... Oh non, ça c'est pas bien. Non, 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 on oublie ce que je viens de faire. C'est dans... Non, 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 c'est très très mal ce que je viens de faire. Pardon, 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 pardon. Et les civils, je voulais pas les tuer à la base. J'ai un peu abusé. Je reconnais. Je suis allé trop loin. Ouais, j'abuse. Je reconnais. C'est non, pas bien. Mais à culpa. Je sais pas si je vais la terminer cette mission. J'ai l'impression de me battre contre un dragon, quoi. Là, je vais reprendre là. Là, c'était quand, juste avant, ouais. Je suis dans la truc. Il y a moyen. C'était une bonne base. Je pense que c'était une bonne base. Le dragon était plus dur. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a son. Je peux sortir l'assommer. Ouais, ça évite. Mais si je sors maintenant. Enfin, au pire, alors dire. Bah, les couilles, hein. Hop, voilà. Hop. Elle est médecin, elle? Ah non. Caché. Ouais, c'est ce que je me dis. Peut-être que la meuf, elle va boire, du coup. Peut-être. Et là, du coup, ils sont pas suspicieux, hein. Non, c'est ça, hein. Hop. Parfait, je vais prendre une position d'agent de sécurité tout à fait normale. Tout à fait classique. Les chiffres sont bons, tout ça, tout ça. Bon, ce serait bien qu'elle ait soif, quoi. Ce serait vraiment bien qu'elle ait soif. Après, de toute façon, il n'y a plus. L'autre, elle la suit plus. Donc, dans le pire des cas, j'ai le champ un peu plus libre. Non, bah, elle se barre. Et si je la suis, du coup? Et si je la suis? Est-ce que c'est suspect ou pas? Je sens bien... Ça fait garde du corps, non? Ouais. Bon, la flotte... dommage. Dommage, la flotte, ça n'a pas marché. Mais là, normalement, en agent de sécurité... Je suis bien. Voilà, on garde du corps, parce que je suis même pas agent de sécurité, je... Mais il y a tellement de possibilités, c'est ça qui, en fait, qui me rend dingue. C'est que t'as tellement de trucs que t'as... Enfin, en plus, moi, j'ai tendance un peu à m'éparpiller, parfois. On va vite passer dans la caméra, si je peux. Ouais, bon, repérer vite fait, quoi. Faudrait que je trouve un endroit isolé. Et crac !
attention. Allez, c'est cool, il y a personne. Cette tenue est pas mal. Parce que j'ai quand même beaucoup moins de personnes qui sont suspicieux. On va clubber un peu, allez. Ce serait énorme qu'ils rajoutent la fonctionnalité emote sur Hitman et tu as le Hitman qui se met à danser, à faire un petit pas et tout, clac-clac. Participer au jeu à boire de Syrah. Ah, il faut que je sois en tenue spéciale. Oh, c'est énorme ça. Ouais, tu l'empoisonnes. Ouais. Le poison dans l'eau, c'est là. Ah, il y a peut-être un... Ouais, mais du coup, je l'ai plus le poison. Bon, c'est là. Cette option est foutue. Mais on retient. Il y a un jeu à boire. Ah, mais empoisonner la sauce de piment devant tout le monde, c'est grillé, c'est mort. C'est le genre de truc. Le poison devant tout le monde, ça marche jamais. Hein. Ça, c'est vraiment le truc qui marche pas. Sinon, il y a la boule à facettes qu'on peut faire tomber. Qu'est-ce qu'elle est bavarde, celle-là? Il fait un peu Made in Black comme ça. Hey! Alors, dans la mission. Dans une autre mission que j'ai faite quand je faisais des tests. En serveur, en fait, à partir du moment où il te faut mettre un truc dans la bouteille ou dans le verre, c'est mort. Enfin, moi, à chaque fois, je me retrouvais avec plein de mecs soupçonnés autour. Enfin, relou, quoi. Parce que j'ai eu la même logique que toi en me disant, attends, je suis serveur, c'est bon, je peux aller au bar, je peux faire le truc, et non. Bon. C'est. Ouais. Ouais. Pas de fun là, pas de fun. On va regarder la course, hein. Et c'est. Je sais pas. Hakkinen. Je fais dire Senna, mais bon, il a mal fini quoi. Schumacher aussi. Hamilton. Il y a un mec là, c'est Piqué je crois qui a fait un peu polémique avec Hamilton parce qu'il a fait une remarque raciste et il a présenté ses excuses publiques. C'est quand même dingue ça, de dire que les mecs ils sont suivis par des millions de personnes et ils arrivent à avoir ce genre de dérive. C'est affolant. Ah bon, il y a un truc que je comprends pas. Parce qu'elle a fini la course, mais il y a encore des voitures qui tournent sur le circuit. Peut-être qu'il peut m'expliquer là. Je suis pas malin, hein, mais. Ou alors c'était dans l'explication du début que j'ai zappé encore une fois. Mais quel quiche! Du coup, ça rame plus là, on est d'accord, hein. c'est good hein, pour vous là. Ah, je vois où vous voulez en venir, petit coquin. Elle est vraiment pas cool. Non mais retourne pas à la fête sans déconner. Oh. Elle est un peu vénère quand même. Ah putain, il y a le photographe, je peux pas la... Je voulais la défoncer en soum-soum, mais là comme ça, clac, hop. Si elle retourne dans la salle là-haut, peut-être... Ah ouais quand... Ah non, là voilà. Ok, Fer, je peux la suivre là. Je peux aller partout. Oh, cette... Tu
que la voiture, c'est ça, c'est ce que je disais. Alors je peux pas trop y aller parce que la meuf là sur l'ordi qui est suspicieuse, mais la voiture elle est de l'autre côté. Et en plus elle a fini la course, donc je peux rien mettre. Ouais, elle est vraiment pas cool elle. Et là vas-y attends. Target down. Next up, Robert Knox. J'ai jamais douté. Le talent. En vrai, oula. Ça passe, hein. J'ai quand même eu un petit moment de doute. J'ai eu une petite goutte là qui fait oulala, c'est peut-être un petit peu. En plus, j'ai vu à travers la porte, sous la porte, t'avais la cam. Bon, on a fait la moitié. Je vais sauvegarder. Même s'il y a peut-être une save auto. Bon, par contre, quand il va la découvrir, ça va être l'enfer. Faut que je me dépêche. Au pire, il y a une save auto ici. Ça va, c'est pas. S'il faut recommencer, je recommence pas du début quoi. Merci pour le GG, merci. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Alors lui par contre il est à l'autre bout. Donc il faut que je retraverse tout. Et là la mécanique elle va être encore dinguissime, j'imagine. Oh pardon, excusez-moi monsieur. Ah non, en fait j'ai juste à traverser. Ah ouais non, il est juste dans les tribunes en fait. Et si avec cette tenue là. En vrai cette tenue elle est vraiment cool. Il y a vraiment peu de personnes qui sont suspicieux. Ça c'est cool. C'est limite un peu la tenue cheatée quoi. Donc lui il est tout. Il est vraiment au bout quoi. Mais il est de l'autre côté de la piste en fait. Comment est-ce que je vais pouvoir traverser moi? Agent 47. Agent 47, vous êtes sur la piste là. L'équipe est un plomb, il est en train de courir en slip. Ah, je peux pas passer dessous. Ouais, je sais pas si c'est le cheat code, mais j'avoue, cette tenue quand même, elle est plutôt balèze. Pour ça, donc lui, c'est bon, il est parti. Ok. Là, je vais pouvoir. Ça sent bien l'axe. Ça sent rien. Ça... Ouais, là, je le sens bien, là. La gestion du son est quand même hyper particulière. Ou alors c'est hyper insonorisé. C'est. Wouah! Ouais! Putain. Alors qu'ils sont 5000 dans les tribunes, juste derrière, hein, c'est ouvert. Vraiment bref, c'était. Voilà. Ok, consulter renseignement. Enfin, passe du club podium. Ce pass vous permet d'accéder aux espaces VIP. Ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous, j'ai la tenue qui passe partout. Alors, fais voir. Est-ce que. Parce que là, j'ai vu que je pouvais passer par-dessous. Alors là, il y a un parking, mais est-ce que ça m'emmène de l'autre côté? Je sais pas. Et sinon, ouais, voilà, il y a une passerelle là. Il y a une passerelle, donc je peux aller de l'autre côté. Par contre, le parking, s'il existe. Oh, il y a des caméras là. La caméra la plus inutile du monde. La caméra qui filme un mur. Restroom. Non, ça je m'en fous, j'ai pas envie d'aller aux chiottes. C'est quoi ça? Un pied de biche? C'est quoi? Un tuyau en plomb. On peut faire un peu de plomberie. Hein. On peut faire un peu de Mario. Tant de boîtes à fusibles, non. Et puis, il y a Josette qui est en train de faire le... T'as parié à quoi? Ah, Mario, pardon. Non, alors pour le coup, je suis désolé. Il y avait pas de. Non, même pas. Même pas, vois-tu. Non, j'ai déjà. Y'a la mascotte! Y'a une mascotte! Y'a une mascotte! Y'a une mascotte! Non, allez, on se calme un peu de.
Alors là, la mécanique, en gros, c'est tu fais fuir, j'allais dire fondre, tu fais couler de l'eau, clac, tu mets. Ouais, mais la mascotte, je suis pas sûr qu'elle passe partout, alors. C'est pas discret, quoi. Parce que t'en as pas 25 non plus des mascottes, tu vois. Non, mais on va aller prendre la passerelle. Après, tu me tentes avec la mascotte, hein. Russe, grand-mère patrie! Tueur! Tu flamand rose, tueur en mascotte! Da! Ça va, tu penses que ça passe l'accent russe? Je peux avoir de problème? Non, non, c'est bon, ça passe. Ça, je suis pas tombé dans les clichés, tu vois. Vodka, tout ça, quoi. Ouais, mais là, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Explorer Miami. Avec un petit Will Smith derrière. To Miami. It's me. Ouais, non, il y a trop de monde. Trop chaud. Allez, non, non. Allez, j'abandonne cette idée. Je le dis, c'est une idée de merde. Oui, je le reconnais. C'est une idée de merde. Allez, on va pas s'obstiner. Alors, s'il y a des gens qui arrivent. Ah enfin, s'il y a des gens qui arrivent et qui lisent son dernier, le dernier message où tout le monde déteste les Russes, on a le droit d'être raciste, moi je vais finir ban, hein. C'est fini. Hein. C'est fini, voilà. Ma carrière de streamer s'arrêtera là, c'était un plaisir. Bonjour, bienvenue. Alors non. Ah, ok. Parce que Majo l'a décidé. En tout cas, bonjour et bienvenue, enfin bonsoir plutôt que bonjour. Hein, s'appuyer, j'ai cru que j'ai vu sauter. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Hein. Installez-vous. Pour rappel, donc on fait du Hitman 2 sur PS5. Mais avec pour objectif de suivre les règles. Suivre les règles, les mécaniques du jeu. Oh. Pour atteindre nos objectifs. Donc c'est l'objectif. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé moi-même. J'aime me faire mal. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, messieurs, on se détend. Bon, non, ouais, on va passer par là. Par contre, là, il y a un coup avec l'ascenseur, ça peut être pas mal. Donc, lui, il est là-bas, ok. Oh, il y a un truc là. C'est dangereux de laisser un couteau à côté des tasses à café comme ça. Mais qui pète les plombs et bu trop de caféine. Ouais. Donc là, il n'y a pas de chance suspecte. Oh, mais c'est fort. Cette tenue, elle est formidable. Enfin, en soi, si, mais c'est un sujet plus sérieux qui mérite plus gros débat. Bref, pas d'accent. Ouais. Non, non, mais je me tiens sur les accents, je me tiens. Juste l'accent. Auvergnat parfois, mais rien de plus quoi. Oh, tu tires ou tu pointes? Voilà le fameux accent auvergnat. Ça passe, ça passe. Ça, on a le droit. J'adore l'OM, on a le droit. Non, 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 mais sans déconner. Oui, bonjour. Oui, je suis là. Ne m'agresse pas. Mais je suis là! Ne m'engueule pas! Enfin, ça y est, je vais me faire baiser. Je sais plus. Mais tu veux que je fasse quoi? Mec, tu m'appelles, je viens. Sans déconner, tu veux que je fasse quoi de plus là? Ok. Je crois qu'on peut tenir combien de temps comme ça? Hey! Pas de boogie boogie, pas de boogie boogie, avant. Oui. Non, je ne répliquerai pas. Je ne répliquerai pas. Par contre, très bon timing, Majostek. Bon. Ouais, là, je. En plus, avec le lag et tout.
franchement, chapeau l'artiste, comme on dit. Une minute avant. Est-ce que ça me fait venir Ouais, c'est bon, je dois être pas mal là. Non, je suis impressionné. Hein. En plus, le mec, il prend en compte le lag. C'est bluffant. On voit le streamer professionnel, quoi. C'est là où on reconnaît les pros des amateurs. Tu vois, t'as la Ligue 1. Squeezie, Inoxtag, JDG, tout ça. Majostech. Et puis, t'as la Nationale 2. Championnat du monde de timing. Si seulement. Ouais, je te le souhaite, mon petit, je te le souhaite. That is Robert Knox, genius inventor, black de génie. Okay, ouais, mais par contre, il y a ces zozos là qui arrivent. Et eux, ils sont pas cool. Ils montent les escaliers, ok. Ah non, c'est bon. Non. Ça va être repéré par une caméra, mais c'est bon. Oh non, pas lui. Si je reste trop, la caméra elle va me dire ça marche pas. Ah non. Oh. Bon, ok, faut que je trouve un moyen de détourner son attention à lui. Eh ben on va chercher. Comment détourner son attention? Dissimuler un objet, non. Photo de Robert Knox. Ça peut toujours servir. C'est quoi ça? Ouais, des fois j'aime bien faire des paquets cadeaux tout... et on n'a jamais de ciseaux. On est toujours en train de chercher les ciseaux. D'ailleurs, je sais jamais si on dit les ciseaux, la paire de ciseaux, les deux, le ciseau. Non, si, je sais que le ciseau on dit pas. Non, c'est ça, c'est les ciseaux ou la paire de ciseaux. Logique. Ça pose de problème à personne que je suis dans un endroit qui doit être secret, normalement, non? Salut, j'ai un peu d'Android dans les mains. Comment je m'en débarrasse? Non? Ah! Je veux pas ça, moi! Allez, pour le énième tournevis, je suis en train de me refaire une collection de tournevis. Je ne vous explique pas, mes petits, mais je vais pouvoir monter du meuble IKEA à l'appel. Agent 47, mettre en montage de meuble IKEA. Je vais aux toilettes. Il y a une caméra dans les toilettes. Abusé, quand même. Un petit peu d'intimité, s'il vous plaît. Voilà, quoi. Bon. Mauvaise idée d'aller par là. On entend un bras, on prend le boulot. Hop là, tu. Je sais pas si quand je fais ce bruit, si c'est vrai pour vous ou pas. Je suis en train de réfléchir qu'avec le micro, peut-être que c'est un bruit juste insupportable. Donc lui, il tourne. Ok. Ah, mais il est là. Hop là. Ah, c'est une pièce, non? Lui, il est là, mais... Est-ce qu'il suit derrière moi? Oh, j'aurais pu le pousser! Ah, mais non, mais... Oh, je vous ai fait tomber, excusez-moi. Mais c'est lui qui me fait chier, en fait. Ambitieux. Je me suis dit, peut-être ça ferait pas de bruit, il s'en rendrait pas compte. Ambitieux. Je reconnais, j'ai fauté. Mais pourquoi ils viennent pas me voir là? Je crois qu'il y a un problème d'IA là.
Ah oui, mais je sais, j'ai pété les plombs. Allez, vas-y, descends-moi. Par contre, je suis en face de toi, tu vas peut-être réussir à me toucher quand même. Ah, la patate de Mike Tyson, quoi. Patate de foin, allez. Bon. Non, ouais, j'ai été ambitieux, je me suis dit... Ah, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'ai vu la foule, j'ai... Oh, mon cœur. C'est là que je suis gros, je vais mourir jeune. Ouais, non, mais là, je sens, on va y arriver bientôt. Donc déjà, on sait qu'il reste pas en haut. Hop, il est là, parfait. Faut que j'arrive à défoncer son garde du corps. Ou en tout cas, le séparer, quoi. Toc, toc, toc. Still some of my finest work. Oh, ce serait tellement magnifique là, t'arrives, pouf, tu le pousses, ça marcherait tellement bien. Mais c'est pas le but. Non, on ne se laisse pas tenter par la facilité. Putain, la prochaine fois je me lancerai sur Adibou, hein, j'aurai moins de mal. Hein. Quoique. Des fois, il y a des niveaux Adibou. Eh, c'est costaud hein, quand même. Hein. C'est costaud. Quoi? T'as vu un truc? J'ai dit une boulette. Eh, je suis sûr qu'on fait un carton avec ça. Y'a du coop sur Adibou? Oh, mais je peux rentrer là. Ah ouais! Oh, mais j'assiste à la réunion en plus, c'est fort. Hang on, 47. Robert Knox's calendar shows a meeting with a Ted Mendez, a defense funding consultant with the US military. Pouvoir me déguiser en Ted Mendez alors. Maybe you can find Mendez somewhere. Ted Mendez, a defense funding consultant with the US military, is scheduled for a private demonstration of a new Kronstadt robotics. Okay. Sounds like a way to get up. I've looked over everything and I just can't nail. Et Ted Mendez, il est à 103 mètres là-bas. Ok. Et eh ben, fort si je fais ça, je vais être suspect encore, non? Non. Et eh ben, on va aller suivre. En fait, on va suivre le truc, hein. Faut que je redescende. Hop là, pas par là. Et ben non, je sais que j'ai pas tenté parce que là ils sont tous là. Et puis je vais être bête et discipliné. Hein. Oh, la lumière. La lumière pique un peu les yeux. Oh, c'est joli ici. Très sympa. Ça sert à rien, mais c'est très sympa. Très très sympa. Alors, ça c'est des toilettes, ce sont les water. Ah voilà, là, je peux descendre. Ces caméras servent vraiment à rien. Je suis désolé, mais celui qui a installé ça, on a fait un travail de cochon. Alors s'il est juste aux toilettes, franchement, c'est abusé. Hein. Ah non. Ok. La Plaza Dolphin. Je sais pas si j'appelle comme ça. Is Ted Mendez, one of the country's most influential military grade money men. Oh, il est dégueulasse. L'animation des pigeons est dégueulasse. Oh, c'est un scandale. Dégueulasse. Hop, se camoufler. J'aime bien cette tenue. Ça fait un peu dictateur. Oui, il y a une place avec les dauphins. Les fontaines, bon, l'animation de l'eau est quelconque. On a vu mieux, on a vu pire.
Par contre, les pigeons, c'était dégueulasse. Il entend où il est pieds nus, monsieur? Il est en... Donc... Je me pose des questions existentielles, oui. Oui, je me pose des questions très importantes. Parce que j'en ai le droit. C'est pas évident tous les jours. C'est le moment... Non, je vais attendre qu'il se barre plus loin, lui. Nick. Non ! Mec ! Prendre noix de coco. Oh shit. Lalala, oui. Je suis champion de district de lancer de noix de coco, ok ? Putain, mais ouais, mais l'autre, il était trop proche. Si je le défonçais, j'allais me faire rigoler. De la patience, on a dit de la patience. Patience est maître de vertu. Allez, très belle structure. Sculpture. Structure, remarque, ça marche. Ça passe. Je me serais pas repris, je suis sûr que vous l'aurez pas vu. Vous l'auriez pas vu. Oh, wow, je suis fâché avec moi, avec le Becherel aujourd'hui. Hein. Oui, pardon, j'étais un petit peu proche. C'est toujours suspect, le mec. Mais bien copain. C'est qui, le houblon? Là, il y a perdu. Ah si, il y a lui. Hein. Tu veux pas dégager, aller voir les pigeons, ou je sais pas, ramasser des noix de coco, ou je sais pas, va pêcher. Casse-toi, quoi. Dégage. Bon, et lui, il est sur Tinder, là. Allez, c'est bon. Là, si le gardien prend du son temps, s'il fait une pause, j'ai moyen. Oui, vite, oui, bah oui. Mais il faut pas que lui regarde là. Ah non, mais le gardien, c'est mort. Putain, alors, c'est ton moment. J'ai eu un petit coup de stress. Merci pour le GG. Je peux pas récupérer des trucs là. Mais qui sont mal complets. Oups là. Ouais, mais faut pas qu'il voit le corps. Hein. Je vais sauvegarder tout de suite. On va y arriver. Petite pub à AirUp en même temps. Les gourdes. L'eau est aromatisée, sans sucre et sans rien, sans additif. Ah, mais si je passe devant lui. Ouais, non, je vais. Ouais, ça marche bien. Franchement, c'est cool. Alors après, moi, les. En fait, les. Tu sais, c'est les bagues qui sont autour. T'as un trou dedans, et en fait, c'est quand tu aspires, t'as l'air qui passe dedans et qui te donne le goût. Et alors, moi, je la change pas souvent, mais j'avoue, ça marche bien. Quand tu la mets neuve, ça marche bien. Après, moi, je m'en sers tellement que j'avoue, ça me fait pas très très longtemps. Mais franchement, c'est cool. La pêche, t'as vraiment l'impression, ça donne vraiment un goût d'ice tea. Et alors ceux qui viennent d'arriver sur le stream de se dire mais de quoi il parle, il est complètement taré. Et on parle de AirUp, hein, d'une gourde. Et celle au coca est pas mal. La coca est pas mal. Pomme pas foufou, pas dingue. Mais franchement c'est cool. Ouais. C'est un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire. Pour mes 21 ans. Il est où l'escalier?
tout à l'heure, je suis arrivé par là. Hop. Là. Ok. Ok. Je crois que le jeu se fout de ma gueule. Je suis arrivé par là tout à l'heure, on est d'accord ? Non, non, j'ai fait qu'un petit tour, trouver l'étage de la direction. Non, mais si, je c'est sûr que je suis arrivé par là. Mais le jeu se fout clairement de ma gueule là. C'est. Salle d'exposition, intrigue proche. Ouais, mais là tout de suite, je m'en fous en fait de l'intrigue. Ce que je veux, c'est aller buter Robert. Si, si, je me rappelle très bien parce que. J'ai même cru qu'il était au water quand je suis arrivé par ici. Je suis rentré dans les chiottes, mais ouais. Oh non, mais. Ah non, c'était pas par là en fait. C'était ici. Mais. Ça y est, je gatouille. Enfin, pas là. Ah, tu veux dire dans les premiers chiottes ? Là, je peux pas monter. Il y avait une caméra devant la porte des toilettes de mémoire. Bon, on va trouver un escalier. Non, première à droite. Ici. Puis première à gauche. Là. Je me rappelle pas d'être passé là. Non, je suis pas passé par ici, l'aquarium. Alors, il y a un truc qui est super bien fait dans ce jeu, je vais pas le faire là, mais pour le coup, quand tu pètes la vitre d'un aquarium, c'est pas grave, t'inquiète, j'ai qu'à avoir de la mémoire aussi. Hein. Ouais, quand tu pètes la vitre d'un aquarium, donc si tu mets juste un coup, elle se fissure, et en fait, avec la pression de l'eau, au bout d'un moment, elle claque, c'est hyper bien fait, et t'as l'eau qui se vide avec les poissons qui. Je fais vachement bien le poisson à l'agonie. Talent d'imitation, ça des années et des années d'entraînement. Et pour le coup, c'est bien fait. Je sais plus pourquoi. Ouais, ouais, c'est stylé. J'aime bien ce genre de détails à la con dans les jeux. Je suis le genre de mec qui peut s'extasier dans Zelda, Breath of the Wild, parce que quand il pleut, l'eau elle se. Ouais, énorme. L'eau elle. S'il y a un trou, l'eau, quand il pleut, l'eau ça remplit. Je suis ce genre de mec. Ouais, mais là, je vais aller dans des endroits obscurs. Je vais encore me faire défoncer. Ok. Intrusion ? De quoi ? Intrusion ? En quoi ? Intrusion ? En quoi ? C'est une option du jeu qui te dit que tu peux rentrer dans la voiture. En quoi il y a une intrusion, sans déconner. Alors je suis en train de voir sur la map en bas, que je n'ai pas regardé depuis tout à l'heure, que en fait le symbole vert il est juste là à gauche. Mais c'est là où il y a le gardien en fait. Mais tout le monde peut prendre du plaisir avec une voiture. Bah, je roule typiquement, je roule en Dacia Sandero. Et ben, je prends vachement de plaisir. Non, il y a pas d'escalier là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, pièces de monnaie. Ça, c'est la base de Hitman. Voilà, des pièces de monnaie. Parce que là, ils ont fait un poker menteur. Hop. Petit soda, petite Red Bull quoi. Là, je vais peut-être pouvoir monter là, non ? Il est juste au-dessus. Mais ils sont où ces...
Ça me fatigue là. Comment je monte là? Sans déconner. Le jeu se fout clairement de ma gueule, c'est pas possible. Ah bah si, je peux... Ah bah voilà. Bonjour. Bon, je suis pas passé du tout par ici hein, tout à l'heure, c'est clair et net. Je suis pas passé par là. Je pense que c'était vraiment la porte de sécurité de... Enfin, qui était verrouillée. Par contre, c'est con, parce que j'avais une... tout à l'heure j'avais un badge, une clé qui me faisait passer partout, et là c'est plus le cas quoi. Mais... Alors si je la suis pas, ouais, je pense que ça va mal se passer. Ouais, bien sûr, avec plaisir, ma petite dame, je vous suis. Le colonel un peu. Le colonel pervers. Vas-y, je vais te suivre. En parlant de ça, ça me fait penser au raid là, sur les streams de filles. C'est, enfin, c'est sur Twitch, c'est aberrant. J'ai lu un article cet après-midi. C'est aberrant. Alors, je sais pas si tu dis ça sent bon à ce que je viens de dire, ou parce que j'avoue que la mission avance plutôt bien. On va se regarder. Oui, non, je me doute. Non, ouais, c'est complètement abusé, c'est... j'ai pas la prétention d'être quelqu'un de très sain non plus, hein, mais là, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est moi. Oh la tête de nerd! Oh, scanner l'image, système. Robert, it's Derek. Mr. Mendez is here already. He's eager to get on with the demo. You should come by as soon as possible. Oui, je l'ai fait, hein. On est d'accord, ça va fonctionner sans problème. Ah, Ted, good to finally see you. Guess traffic was rough. Ah, never mind. J'avais dit tout à l'heure que la photo allait me servir. Je l'avais dit que ça allait me servir. Ça peut toujours servir. Oh. Oh, génial. Nobody wants to exchange their children and loved ones for flags and medals anymore. The glory is gone, Ted. But luckily, Kronstadt has a solution. Je crois que c'est la plus belle élimination que je vais avoir fait de toute ma carrière, qui se résume à pas grand chose sur Hitman. Ah, c'est génial. Striking an unseen fatal blow, a surgical tool for a blunt world. Imagine an army of them. Fully equipped android medics, servicemen and injured civilians. Faut que je lui dise que je vais pas acheter. Hein. Oh putain, on a les droits. Il a marché à fond, le gars. On a les droits. Ouais, mais oui, il devrait. Là, pareil, il devrait mettre une option. Et hey, frère, on bat les couilles. Frère. Then I use the scanner to upload the biometric data. And Palace will do the rest. Ah ouais, mais non, du coup, il passe pas dedans. Faut que je sais là, je le scanne. Obviously, the final system won't rely on you manually feeding it biometric data. Ouais. This is still a prototype. This is a pivotal moment in modern conflict solution, Ted. Palace isn't... Je le fais devant lui. Entirely foolproof. All you need is... The hell? Robert Knox. Aw, cripes. Targets down. Well done, 47. Head for an exit, and we'll speak again soon. Je sais pas si vous le voyez, je suis très fier de moi là. Bon, je vais peut-être pas traîner non plus, hein. Oh, le mec qui reste là. Oh, je pense que c'est la plus belle élimination que j'ai faite sur Hitman. Recherche, non, mais c'est bon. Pas de recherche là. Après, en même temps, c'est légitime de se barrer, j'ai envie de dire. Tu viens d'avoir une fusillade, tu vas pas rester là comme un con. Tout va bien. Ah ouais, là, vraiment classe. La mécanique était plutôt bien faite. Et
Et en comparaison de la première de la fille, où en vrai c'était une tannée. Ah, j'ai vu que c'était une caméra rouge. C'était, franchement, c'était super chiant. Faut l'avouer. Ah, mais c'est tout verrouillé là. C'est tout verrouillé ici, zut. La fille, c'était franchement super chiant. J'ai pas pris vraiment de plaisir sur la fille. Mais là, l'élimination. Comme ça, c'était vraiment magnifique. Ouais, ouais, c'est plus fluide, ouais. Clairement, et plus intéressant. Enfin, ouais, je trouve que. Alors, peut-être plus simple, je sais pas, mais. Mais j'ai bien. Enfin, j'ai trouvé ça plus sympa dans la mission. Ah non, prendre. J'allais lui donner à la limite. Tiens, Maro. Tiens, allez. Ouais, je suis comme ça, je suis bon prince, moi. Allez, allez, c'est pour moi. Tiens, t'as acheté une tête brûlée. La sortie, elle est là. Oh là 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 là. Je suis tellement content. Avec brio. Oh, la classe en plus en colonel comme ça. Pouah. Contrôle. Oh là 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 là. La nouvelle armée. Ah ouais, là je suis heureux. On a bloqué plein de trucs. Hein. Ah, mais regarde toutes les options possibles. Tous les objets que tu peux trouver. C'est affolant. C'est. Toutes les mécaniques possibles. Je sais pas si je peux passer dessus. Ouais, non, je peux pas. C'est c'est dingue, c'est juste dingue, je trouve. C'est vraiment un truc de dingue. Vous avez atteint le niveau 4 de Miami. Ok. Ah, donc ouais, maintenant si je veux refaire la mission, j'ai débloqué de nouveaux trucs. Poisson. Il est là, il est pas frais mon poisson. Paf. Coup de morue par la gueule. Ok. Ah ouais. Le coup de la main. Alors, c'est ça aussi qui était difficile, c'est qu'on est parti avec zéro. Zéro objet quoi. Mais écoute, de toute façon, moi je. Voilà, j'ai fini. Donc je vais arrêter là aussi. J'ai fait une mission, c'était très bien. Merci en tout cas d'être passé, c'était très très cool. C'était très très sympa. Montréal. C'est de tous les meurtres de lycéens. Parce que l'histoire, pour ceux qui la connaissent pas, en gros, c'est. Donc nous, on fait partie d'une organisation d'assassins, en gros. Donc l'ICA. Et le pitch, si je dis pas de bêtises, c'est un peu une rébellion dans l'organisation et de faire tomber l'organisation. Un peu Assassin's Creed avec les Templiers hein, dans le délire, hein, dans une autre mesure. Bon, et bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque bon, on a quand même passé presque deux heures pour cette mission. C'était cool, hein, on a un peu galéré, mais c'était cool. On va continuer sur un peu de Hitman. J'ai d'autres idées à venir, donc à voir. Un peu, toujours sur de l'infiltration, hein, ce que je disais en début de live, peut-être notamment du Metal Gear Solid. Il faut juste que j'arrive à configurer mon PC et avoir un truc un peu propre. Mais voilà, c'est dans les tuyaux. Il y a plusieurs idées qui sont en cours. Ça, des idées, on n'en manque pas. Mais pour l'instant, on va continuer sur du Hitman, toujours avec ce credo de suivre les mécaniques et pas d'arriver comme un gros bourrin. En tout cas, c'était un vrai plaisir. J'étais très content d'avoir fait ce live avec vous, malgré les quelques pintes en amont. On a réussi à faire ça proprement et à se tenir, donc ça c'est cool. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés de m'avoir suivi. N'hésitez pas à follow, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Et encore merci. Ciao, ciao.